par les trois bonhommes, appuyé par Charles-Édouard Dastou. Huntington, qui est notre candidat pour faire un gagnant pour le premier but du match ce soir. Lafrenière, Huntington, et le but! Olivier Garneau! Ça revient à Beaudin. Et là, ben, tir qui dévie sur un bâton. Et là, il y a un bâton brisé. Alors, l'Océanique, en plus d'être en désavantage numérique, Lepage n'a plus de bâton. Et le but qui est finalement marqué par Desruisseaux. Du Rocher s'avance le long de la clôture. Baker tente de lui enlever la rondelle. Paré vient libérer le disque. Il va d'une passe soulevée pour Jordan Lepage. Il lance. Rodrigue bloque. Et le but! Anthony Gagnon! Dastou saute sur le retour, ramène Lafrenière à la ligne bleue. Lafrenière veut s'avancer, applique les freins, près du point de mise en jeu à la gauche de Rodrigue, passe sous le vase Garoni. Jimmy Huntington, quelle mauvaise pénalité de Grégoire McLeod! Jusqu'à la ligne bleue adverse, une rondelle qui passe par-dessus le bâton d'un joueur adverse, Chaldan par la clôture. Et Lafrenière va marquer dans une cage ouverte. L'Océanique de Rimouski va remporter une troisième victoire en autant de matchs cette saison contre les Voltigeurs de Drummondville. Et ce sera la seule passe sur la séquence. Et là, ben, Engelhardt marque avec 33 secondes à faire. C'est 4-2 maintenant. Dommage pour Ellis.